Et alors, mais moi j'ai bossé. Mais attendez, attendez, moi j'ai pas le soir à recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà, arrêtez de la bloquer. Mais parce que ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur. Vous savez la meilleure façon de payer un costard, vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est travailler. Donnez du travail. Qui ont envie de réussir. Mais tous les chômeurs ont envie de travailler. Ce dont nous allons parler maintenant résulte de la volonté des pouvoirs publics européens, des européistes, d'avoir une monnaie européenne qui essaye si possible d'être fiable. C'est donc au nom de la fiabilité, de la viabilité de cette monnaie que sont fixées des orientations à tous les pays d'Europe et en particulier à la France. Alors pourquoi c'est important ? Mais parce que, comme on va le voir, ces réformes qui sont exigées de la France sont de nature extrêmement politique. Elles touchent à la fois au politique, à l'économique, au social, mais aussi à la répartition des pouvoirs en France et même aux lois de décentralisation, comme on va le voir. Donc c'est en fait toute la stratégie de la République française qui est en jeu. Alors c'est très important que les Français soient au courant de ça. Parce que lorsqu'ils votent pour M. X ou M. Y, M. Hollande après M. Sarkozy, en définitive, ils votent. C'est un peu comme si on leur demandait de voter entre Claire Chazal et puis un autre présentateur de télé qui lirait le même téléprompteur. En fait, tout ce petit monde fait la même politique. Alors les ajustements structurels, ça fait partie de ce genre de mots codés. Une espèce de langue de bois, vous savez, comme on disait du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'une langue qui est faite pour les initiés. Ajustement structurel, ça veut dire une réforme de fond en comble des structures des États, et en particulier de la République française, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est quand même un petit peu se moquer du monde que de montrer à la vindicte populaire les chauffeurs de taxi, par exemple, ou bien telle ou telle profession. À force de tout déréglementer comme ça, ça va toujours dans le même sens. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais en décembre 2012, le gouvernement français a ouvert 291 professions à des Bulgares et à des Roumains. Pour qu'ils viennent en France. La finalité qui est recherchée derrière tout ça, c'est de diminuer systématiquement le niveau de vie des gens. Hein, si on met en concurrence les notaires avec des notaires roumains, bulgares, c'est ce qui nous pend au nez. Déjà, vous avez vu que les chauffeurs de taxi, maintenant, sont déjà de plus en plus concurrencés par de nouvelles formes. Donc ce qui, dans toutes les professions... C'est pas seulement les fonctionnaires ou les salariés, hein. C'est dans toutes les professions, y compris les professions libérales, hein, notaires, avocats, médecins, etc. Les années qui viennent vont être celles d'une mise en concurrence frontale avec des gens qui gagnent 5, 10, 15 fois moins. Donc l'objectif en définitive, c'est toujours le même, c'est d'appauvrir les Français. C'est d'ailleurs la logique naturelle de la libre circulation totale des capitaux, qui est posé par le traité de Maastricht, dans la mesure où l'on peut désormais avoir recours à de la main-d'œuvre payée 20 fois moins à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe, il n'y a aucune raison matérielle, logique, pour que les Français puissent garder un niveau de vie supérieur. Donc le choix, il est très simple. Soit nous gardons l'Union européenne et l'euro, et à ce moment-là, nous allons vers un appauvrissement accéléré des Français, avec au bout du compte une toute petite minorité de Français, quelques dizaines de milliers de personnes qui gagneront des sommes phénoménales, et puis un appauvrissement général de la population. C'est déjà en cours. Hein. C'est une réouverture très très rapide de l'éventail des inégalités en France, mais pas seulement en France, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal. Et si on ne veut pas de ça, ben y a qu'une solution. Vous la connaissez. C'est ce que nous nous proposons sans désemparer depuis 7 ans. Nous disons toujours la même chose. Et malheureusement,
pour la France, heureusement pour notre parti, malheureusement pour la France, nos analyses sont confirmées par les événements. La seule possibilité, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro.